Deloitte, c'est la firme leader au plan mondial de l'audit et du conseil aux entreprises. Et on a 5 métiers. L'audit et l'assurance, qui est en fait la certification des comptes et la sécurisation de l'information financière qui est donnée par les entreprises. Le métier risk advisory, qui accompagne nos clients dans l'identification, la prévention et la gestion de tous les risques des entreprises, opérationnels, informatiques, environnementaux également. Le conseil, consulting, l'accompagnement des transformations de nos clients, de la stratégie à la mise en place de systèmes d'information en passant par le conseil en organisation. Le métier financial advisory, qui accompagne les entreprises dans leurs transactions, acquisitions, cessions, restructurations. Et enfin, notre métier de loi de société d'avocat, où là on accompagne les clients sur les sujets juridiques et fiscaux. Ces transitions, elles conduisent nos clients, les entreprises, à transformer leur stratégie, développer des nouveaux services, développer des nouveaux produits, revoir leur chaîne d'approvisionnement, de production et revoir aussi la façon dont elles communiquent au marché sur leurs activités. Et dans la mesure en fait où au travers de tous nos métiers, on accompagne les entreprises sur ces sujets, bien évidemment tous nos métiers sont concernés. On a des besoins de nouvelles compétences, effectivement, pour servir nos clients sur ces sujets. Alors, on a une équipe spécialisée sur les enjeux de développement durable. C'est un peu plus de 160 collaborateurs. Donc, eux sont particulièrement formés au sujet du climat, de l'économie circulaire, de la finance durable. Et au-delà de ça, on sensibilise l'ensemble de nos collaborateurs sur les sujets du RSE. Je pense que l'initiative d'Audencia autour de la création de Gaïa est excellente parce qu'elle répond évidemment à des besoins que l'on a de former les managers du futur à tous les enjeux de la transition écologique et sociale et pour être à même de transformer les stratégies des entreprises, de faire évoluer les modèles d'organisation, les modèles d'affaires. Il faut vraiment, je pense, travailler aujourd'hui sur la formation et la sensibilisation de l'ensemble des étudiants à ces thématiques. Mais j'aurais un message pour les étudiants de l'école. Vous serez les acteurs demain des transformations écologiques, environnementales et sociales dans les entreprises et on compte sur vous. On a besoin de votre énergie, de votre œil neuf. Et on attend à ce que vous nous posiez des questions et à ce que vous nous challengiez sur ces thématiques-là. Et donc, soyez acteurs, soyez les acteurs demain et rejoignez des entreprises pour nous aider à les transformer.